Good morning, Aleiden et Susra. Aujourd'hui, l'Elohim Nishmat Claude Shlomo Ben Shalom, Lucien Batreina, Alea Chaya Bat Mazal Tov et Janine Ruth Bat Fortuna Mazal Fritna. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Sota Perektet Mishnachet. Ed Echad Omer Ra'iti et Oreg ve Ed Echad Omer Lo Ra'ita. Isha Omer et Ra'iti ve Isha Omer et Lo Ra'ita. Lo Ra'it. Ayu Orfin. Ed Echad Omer Ra'iti ou Shneim Omerim Lo Ra'ita. Ayu Orfin. Shnaim Omrim Ra'inu ve'echad Omer Lehem Lo Re'item Lo Hayu Orfin. On est toujours bien sûr sur le sujet de la Egla Roufa, lorsqu'on a trouvé un mort assassiné entre deux villes sur la route, qu'on va mesurer de quelle ville il est le plus proche et les habitants de la ville vont devoir apporter le Sanhedrin de la ville. Va devoir apporter la Egla Arufa, les fracasser la nuque, et faire le rituel comme on a pris jusqu'à maintenant. La Torah, elle, insiste en nous disant « Ki matse halal ba'adama » lorsque tu trouveras un cadavre jeté sur la route, et « l'onoda mihikaou » on ne sait pas qui l'a frappé. À exclure donc si on sait qui l'a frappé. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire savoir qui l'a frappé? C'est-à-dire, si jamais on sait qu'il a été assassiné par un tel, mais qu'on ne trouve pas un tel, on ne fait plus la Egla Arufa. La Egla Arufa, c'est que lorsqu'on ne sait pas qui a assassiné, on ne sait pas qui est le meurtrier, donc dans ce cas-là, on va porter la Egla Arufa. D'accord? Maintenant, la Torah, de manière générale, pour toute information qui nous manque, on a besoin d'avoir deux témoins, en général. Il faut nécessairement deux témoins. Mais, Alpishnaim et Dimyakum Navar, mais là spécialement, on déduit de la Torah qui a dit l'onoda mihikaou, on ne sait pas qui l'a tué, on apprend que si jamais on a une quelconque connaissance de qui l'a tué, même si c'est par quelqu'un qui n'est pas sous le laïdout, même si c'est une femme ou un esclave, ou même un seul témoin aussi qui n'est pas sous le laïdout, dès que maintenant on a la moindre information de la personne qui l'a tué, on ne peut plus apporter, on est dispensé d'apporter la Egla Arufa. Dans ce cas-là, maintenant, la Mishnah va commencer à nous parler de contradiction entre témoins, qu'est-ce qu'on va, quand on va croire, quand on ne va pas croire. Et on commence avec le premier cas. Ed echad omer ra'iti ra'iti et ha'oreg ve'ed echad omer lo ra'ita. Un témoin vient et nous dit, moi j'ai vu qu'il a tué, j'étais marché dans la forêt, j'ai vu de loin, il y avait là-bas, j'ai vu qu'il a tué. L'autre lui dit, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ve'ed echad omer lo ra'ita. Tu l'as pas vu, pas du tout. Quand on était dans la forêt, il n'y avait rien du tout, on était en train de faire du vélo à la même heure, tu racontes des histoires. Ou encore, Isha omeret ra'iti ve Isha omeret lo ra'ita. Encore, il y a une femme qui nous dit qu'elle a vu, et une autre femme qui dit non, tu n'as pas vu. Lo ra'it. Hayu orfin, on faisait la et là, on faisait la harifa parce qu'on a une contradiction entre un témoin et un témoin. Et dans ce cas-là, alors là, il faut bien. On a déjà évoqué à plusieurs occasions les histoires de témoignages, même dans la sota, parce que dans la sota, on avait la même originalité de croire un seul témoin. Il faut comprendre un principe général. C'est que lorsqu'on a une contradiction entre deux témoins contre deux témoins, deux contre deux, là on ne va pas dire que tout s'annule, on va dire qu'on vit en contradiction. À la différence que quand on a une contradiction de un témoin contre un témoin, les deux s'annulent et on n'a plus rien. Je répète, lorsqu'on a deux témoins qui viennent témoigner, qui vont dire que Réhouven il a tué, et on va voir même 500 témoins qui vont témoigner que Réhouven n'a pas tué, on ne va pas dire que 500 vont l'emporter contre les deux. On a ici une contradiction, on ne sait pas est-ce qu'il a tué ou est-ce qu'il a tué, tout reste dans le doute. Parce que la Torah elle a cru deux comme mille, et on croit les deux qui disent qu'elle a tué, et on va croire les deux qui disent qu'on n'a pas tué, on vit en contradiction, et ça va influencer toutes sortes de halakhot, qui vont nous dire qu'on a une contradiction. Alors que lorsqu'on a un contre un, ou dans les cas particuliers où la Torah elle a cru, même des gens qui sont psoulim là, ils doutent, là, on ne va plus fonctionner avec les règles de deux contre deux, et de témoins contre témoins. On va dire, on va s'intéresser maintenant à la quantité de gens qui parlent. Et là, pour le moment, on a un contre un, le un annule le un, donc il n'y a plus de témoignage. Et dans ce cas-là, on va faire la Egla Arufa, on va faire le rituel de la Egla Arufa, parce que le un va annuler le un. Deux n'annule pas deux. Si on a deux témoins qui disent que j'ai vu et deux témoins qui disent non, vous n'avez pas vu, on ne va pas dire que ça s'annule. Là, maintenant, on a peut-être deux témoins, on est dans le doute, on ne va pas pouvoir tuer. Mais lorsqu'on a un contre un, ça s'annule, il n'y a plus de témoins, et là, c'est bon. Précision super importante dans le Barthénois qui nous le rallonge, en nous disant que si toutefois le premier témoin qui a dit que j'ai vu, il est venu, il a témoigné, on a reçu ses paroles,
et on a tranché qu'on ne peut plus apporter la Glarufa, même s'il va y avoir un 1 qui va venir, qui va le contredire, c'est trop tard, il ne peut plus le contredire. On parle forcément que le 1, il est venu contredire le 1, pendant qu'il a, il est venu parler devant le Sanhedrin. Alors au même moment où il a parlé, on l'a contredit, avant qu'on a tranché, selon, à partir de ses paroles. Nouvelle situation. Ed echad omer, ra'iti, ou shnaim omrim, lo ra'ita. Un témoin nous dit, j'ai vu, et deux qui viennent, qui vont nous dire, tu l'as pas vu. Ayur orfin, on le faisait là avec la roufa, là ça va inclure, même s'il y a eu un qui est venu, et qu'on a déjà accepté ses paroles au bedin, mais que là cette fois-ci, il y a deux témoins qui vont venir, les deux vont annuler le 1. D'accord? Par contre, shnaim omrim ra'inu, ve'echad omer la'em, lo ra'item, deux qui vont dire, on a vu, et un qui va dire, non, vous n'avez pas vu, là, 2 contre 1, même si c'est deux témoins, les deux témoins, c'est deux témoins qui sont sous l'hymne, et d'autres même, et le 1 témoin associe, là, on va se fonder sur, comme on avait dit, qu'à partir du moment où c'est plus des vrais témoins, alors on va selon la, le 2 vont l'emporter sur le 1, donc on va dire, ah, il y a deux témoins qui savent, qui ont vu le meurtrier, l'assassin, dans ce cas-là, on ne va plus faire la règle de la roufa, d'accord? Vous avez compris le principe? Je répète très très rapidement, le principe il est simple. C'est que si on sait qu'il a été tué, on sait, s'il y a, même une personne qui sait qui est l'assassin, mais qui le sait, qu'on peut le croire, alors dans ce cas-là, on ne va plus faire la Egla Rufa, parce qu'à partir du moment, on ne rentre plus dans le cadre du pasuk de l'Onoda Mihikaou. On ne sait pas qui l'a tué, on sait qui l'a tué, et il y a une personne qui sait qui l'a tué. Mais cette personne-là qui sait qui l'a tué, elle peut être contredite facilement, avec même un seul témoin, à condition qu'ils soient venus tous les deux en même temps au Beddin. Parce que s'il est venu au Beddin, il a déjà déposé son témoignage, et qu'on a tranché, et qu'après il y a un autre qui vient, c'est déjà trop tard, parce qu'un témoin il est plus cru pour contredire. S'ils arrivent en même temps, donc il n'y a plus rien. À la différence de quand il y a deux contre deux, deux témoins contre deux témoins, alors là, dans ce cas-là, ils vont plus s'annuler, mais on va devoir considérer les deux avis. Ok? Et avec, maintenant, selon nos principes, maintenant, s'il y a deux témoins qui viennent qui disent qu'on a vu, même si c'est deux témoins qui sont sous l'hymne et qu'il va y avoir ensuite un témoin qui va venir qui va vouloir contredire, le 1, il n'est pas cru contre les deux. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.